Ah, genre, la bouilloire a appelé l'aigle. Get away from the window. C'est pas un aigle, ça. To the basement. Keep searching for the preacher. I'll find you. Pourquoi tu sautes pas, toi, dans le... Assommé. Ouch. Great. Wonderful. I need to get out of here. Alors, croissant de lune, biscuit chinois, poignée dorée, tasse de lait, mandala, oignon fumé, colère, céleri, infini, pièce, riz. C'est quoi un mandala déjà? Qu'est-ce que c'est ça? Je dois faire quoi avec ça? Oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire tout ça? D'accord. Ah, c'est ça un mandala? Sauf qu'il est pas complet. J'en fais quoi de tout ça? Ah! Là. Allumette. Je peux allumer quoi avec ça? Ouais, il y en a des. Des combinaisons dans celui-là. Il y a quasiment que ça. Bon, là, il n'y a plus rien, j'ai l'impression. Ah, si, il y a ça. Oh, l'infini, t'es sérieux? Alors, mou et frais. Ok. Il faut le remplir avec quelque chose. Ah oui, c'est un biscuit chinois. Céleri. Il y a de la cendre au fond, je me demande pourquoi. Bah parce que c'est un encens. Ça tient droit. Une tasse de lait. Il est où le lait? Il est là. C'est pas cette tasse là? Il y a du lait au fond. Ouais, merci. Je le prends avec quoi le lait? L'oignon. Ok, il y a du lait au fond. C'est cool, mais. Ah, une louche. Alors, croissant de lune, colère et riz. Croissant de lune. Croissant de lune. Non. Il y a rien là. Pourquoi il me demande de l'ouvrir? Sous de ma gueule, je crois. Oh non, t'es sérieux? Riz et croissant de lune. Du riz? Et croissant de lune? Ça, c'est une corne, mais ça ressemble à un croissant de lune, quoi. Je vois pas de riz. Ça, c'est du miel. Y a pas de riz. Je vois pas de croissant de lune non plus. Vous êtes sûr que c'est pas là? Mais si, c'est là. Mais non, mais pourquoi ça clignote? Pourquoi ça y a des petites étoiles comme s'il y avait quelque chose? Sous ma gueule. Il est pas gros en plus le truc, hein. Le cerceau il fait. Ou alors c'est dans un des angles? Rien ici sur cette porte. Et j'ai l'impression d'avoir tout fait là. Et du riz, ça devrait être visible. Ah, du riz. Oh, c'est visible. Alors, le croissant de lune.
Là, je l'ai. Oh la vache! Ouh! Trees are in the way. It will be hard to get up the mountain. Maybe I could use this as a guide. Looks like the village lies right in my path. And if I get lucky, I could find this Poe there. Whoever he is. He might know something about this holy flame and wrath of God stuff. Okay. Alors du coup, gauche. À droite. À droite, à gauche et à droite. Beau gosse. Come on, jump. I'll catch you. You can't stay there forever. Tu parles au gif là-haut? Ténèbres. Ok. On va faire le tour d'abord, voir tout ce qu'il y a à prendre. Ça vient d'Ayak. Oh, du Lady Yak. Même Picasso a dû passer par là. C'est mignon. A cableway. I wonder if it works. What? Oh, hello. What are you doing here? Just passing by. Mm-hmm. All the way out here, huh? Well, I'm Brittany. I'm an archaeologist with the Karkala expedition. Do you have any idea how to lure this kid down before she hurts herself? Le mur est trop glissant pour escalader, d'accord. Le clou est bien cloué. C'est quoi, ça va me servir d'échelle en fait? Ok. Ok. Une petite musique de Minecraft là. What's your name, kid? She won't answer. She's mute. Her name's Fang. Don't be afraid, Fang. Come down from there. It's cold. C'est froid partout. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est tout? Ah mais non, c'était rapide. You've got a gift. The kid seems to trust you. Qu'est-ce que j'ai? Oh my, you're bleeding. We have to treat that wound on your hand. Take the girl to the hut. I'll search the village for first aid stuff. You can look around too. We'll need stitches and bindings to dress that wound. Ah, carrément. Come on. We'll find somewhere to warm you up. Ça, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Ok, comment soigner une blessure? Ça marche. Les antidouleurs, d'accord. Oh putain. Ah, il y a plein de collectibles, la vache. Il y a les plumes, il y a la distorsion de la réalité et des fleurs, apparemment. Pas la faire là. Ah, il y a ça. Ça c'était là. Ouais.
possible, Great Ager. Ça. Ces fils, qu'est-ce qu'il dit? Ces fils sont trop épais pour les briser. D'accord, mais prends-les. Ah, c'est trop marrant. J'adore. J'adore comment c'est fait. C'est vraiment trop marrant. Je pourrais préparer le baume ici. Une fleur, un lait. Non. Du lait. Une fleur. Il y a le tas de fleurs. Mais... Ah, mais peut-être que je l'ai pas trouvé en fait. Enfin, je commence à avoir beaucoup trop d'objets. Ça là, je le trouve où ça? Parce que je peux mettre du lait pour l'instant. Ah, mais j'ai qu'une tasse, mais j'ai pas récupéré de lait. Attends, j'avais vu du lait où? Il y avait du lait d'Iac à un endroit. Salut, Nash. Ah, pour pas changer d'habitude, un petit jeu d'énigmes. Ouais, ça fait du bien, un petit jeu d'énigmes. En fait, je les avais achetés il y a peut-être 3 ou 4 mois et j'avais jamais trouvé le temps de les faire. Et là, vu que je travaille pas aujourd'hui, je me suis dit, on va les faire. Et comme l'actualité est plutôt calme, il n'y a pas de gros jeux à gauche à droite, donc c'est cool de perdre son temps sur des petits jeux comme ça. Surtout qu'il est agréable. Là, il y a une petite musique un peu à la Minecraft qui est très très reposante. Alors, ça... Oh, c'est chaud. Ça. Non. Ça. Ok. Ça. Ok. Ça, je vais. Petite boule de poil. Ok, ça. Il me reste la petite boule de poil et je sais pas ce que c'est. Il doit y avoir des herboristes qui disent alors ça c'est machin, ça c'est truc, ça c'est bignou, ça c'est machin. Je sais pas comment ils font pour s'en sortir. Il y a tellement de plantes qui se ressemblent à mort, c'est tellement bizarre de tout retrouver, de tout connaître. Merde, il m'en manque une quoi. Allez, espèce de gouze. Moi, je suis en congé exceptionnellement. En fait, je devais pas travailler vendredi, mais finalement, j'ai dû intervenir dans un établissement un peu en urgence. Du coup, j'ai déplacé au lieu de pas travailler vendredi, bah je travaille pas aujourd'hui. Ah oui, donc il me faut du Lediac ici. Du Lediac, j'en ai vu dehors et j'ai une tasse. C'est où que j'ai vu du lait d'Iac? Là? Ah non, là il manque une patte de dragon, ok. Voilà. Ok. Attends. Ah voilà, c'est là que j'ai vu du lait. Je peux faire quoi avec ça? Il me faut un fil flexible. Aiguille, j'avais pas ramassé un fil? Non? Ah oui, le feu est presque éteint, mais il faut que je rallume. Mon briquet est vide. Ah putain, ouais, l'éventail, bien joué. C'est pas un peu dangereux tous ces tissus avec le feu aussi proche? Ok, par contre, j'ai pas de bandeau. Ah si, là, là! Je
désinfectant. Ah, j'ai pas de désinfectant par contre. Bonjour Yann. Je vois ce que tu veux dire, ils ont toujours été étranges. Céline vit en ermite. Tu sais, c'est un mec du nord là, tu sais. Chobilout, Céline vit en ermite et Pau flâne ici et là. Je l'ai vu traîner près du moulin hier soir. Que pouvait-il bien faire? Il est abandonné depuis des années et cette expédition idiote. Personne n'en veut. Même Pau semble nerveux. Ça n'augure rien de bon. Je te le dis. Bise. Ciao, Mei. Ok, ils ont des clopes. Hein. Plume blanche. Elle a de nombreux noms. Esprit nerveux, plume blanche, l'observateur. On trouve ses sanctuaires partout au pic de Karkala. Esprit nerveux, hein? Monastère de Karakorum. On trouve d'anciens monastères magnifiques cachés dans les Karakorum. Le plus vieux d'entre eux est situé sur la face nord de Karkala. Lumière et ténèbres. Les scientifiques disent que cette fresque dépeint le cycle éternel de jour et de la nuit. Mais d'autres parlent d'un mythe local d'une ancienne bataille entre le champion de la lumière et le rejeton des ténèbres. Asmodée. Asmodée, c'est pas une marque de jouets aussi? C'est tout ce que j'ai ici. Ah merde. What? J'en fais quoi avec ça? Un fil? Oh. Est-ce que ça pourrait pas m'aider ici? Non, pas ici. Ici. Oh. Ah. Alors, attends, je voulais juste voir, vérifier si, avec les ciseaux, je pouvais découper ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Du tissu, du papier, un tissu de coton humide. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais tu ramasses des objets par contre. Chauffeur froid. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un chauffeur? What? Faites fonctionner les distillateurs orientant les tuyaux pour que les couleurs forment des lignes continues. Ah, ok. D'accord. Donc c'est obligatoirement celui-là. Ah oui, non, mais ça peut être comme ça aussi. Ok. Ah oui, il faut que ça aille jusqu'à la distilleuse en bas, c'est ça? Donc prout, prout, ça remonte, ça redescend. Ça remonte ici, ça va par là. Ça descend ici. Ah mais c'est pas bon là. Parce que là, ça va là, mais là... Moi, ça va pas. Parce que si je le prends dans le sens inverse, le bleu, on va dire que c'est ok. Parce que de toute façon, le jaune, je peux pas le mettre. Ah, je peux mettre le bleu comme ça. Ça change rien de toute façon. Ah non mais regarde là, ça y va directement mais... Faut que ça passe par toutes les étapes. Ah, des lignes continues. Donc là ça va du jaune jusque là. Là on est d'accord. Ok, donc là on part sur du rouge. Qui fait... Non, ça marche pas. Qui fait...
Là, et là on part sur du rouge. On reprend le rouge. Ça va pas. Ah ouais, mais là il n'y a plus de rouge là. Ça va pas. Ah. Sais ce que j'ai retrouvé comme jeu hier? Non, qu'est-ce que t'as retrouvé? Trial? Alors il y a un truc qui va pas là. Donc ce serait peut-être pas ce rouge là du coup. Peut-être celui-là du coup. Donc ça fait moins Oh! Oh mais non mais là ça va dans le... Need for Speed World! Oh la vache! Need for Speed World. Putain, mais je suis pas loin. Hein. Je dois pas être très loin de la solution finale. Voilà. Oh, j'adorais ce genre de paille quand j'étais gamin. Je trouvais ça magique. Tout ça pour récupérer quoi au final? De l'alcool. Ah, de l'alcool. Du coup, je vais pouvoir recharger mon briquet. C'est quoi ça? C'est coincé. Il me faut un nouveau roulement. D'accord. Dois faire attention. Je ne veux pas me brûler avec l'acide. De l'acide? Le chauffeur doit être chaud. Ah! C'est ça le chauffeur, ça va dans les anciennes. Je peux pas le chauffer à l'acide? Non, faut que j'entende dans la cabane. Ah, bonjour. T'as de quoi me soigner? All right then. Let's take care of that wound. Tu sais ce que j'aimerais bien me refaire? C'est Need for Speed Porsche Challenge. Ou Porsche Unleashed? Je sais plus. Il y avait un Need for Speed que j'avais joué sur PC il y a très longtemps. J'en gardais un très bon souvenir. Où tu commençais avec la Porsche, la toute première Porsche de l'histoire des Porsches. Et tu finissais avec la méga Porsche. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Ah, je fais comment pour le récupérer? Avec la tenaille. Voilà, là j'ai un chauffeur chou. Et là, j'ai un truc à repasser. Non. Je sais pas ce que je devais devoir repasser. Non. Then set it up. I found some antibiotics we can use. Mais si. Mais. Alcool. Ah, tissu de coton humide. Ah ouais. Le bandage. Ok. C'est bon, je pense que j'ai tout là. L'alcool. I think we have all we need. Show me your arm. I'll put in the stitches. About a week ago, a professor joined our expedition. He was kind of strange and oui, Need for Speed Underground aussi, mais Need for Speed Underground, je l'ai saigné. Donc ça m'intéresse pas spécialement de d'y rejouer. But, oh, you won't believe me. He summoned that beast. It killed everybody. I'm only alive because I wasn't there. But I saw everything. Then I came here for help. But when I got here, the village was deserted. Is this the man? Yes. Do you know him? More than I'd like to. C'est fou le scénario, comment depuis le premier Enigmatis a pris en importance depuis Maple Creek. But it won't be easy to get up there. The bridge we took collapsed. I can help you get there if you want.
Yeah, I have to get to the radio in the camp anyway. Okay. Now the bandage looks fine. Let's see if we can find another way up that mountain. Fong, find a jacket. We're leaving soon. Une pipette, c'était pourquoi la pipette déjà? This lever is stuck. But I think I can handle it. Look around and see if we can propel the cableway somehow. Ah putain, la bille! La pipette, elle me sert. Ah oui, oui, pour l'acide. Putain, j'ai utilisé l'indice au moment où j'ai découvert comment faire. Oui, mais du coup, l'acide, elle va me servir à quoi? Non? Là. Putain, mais c'est de l'acide d'alien pour que ça dissout comme ça? Est conduit activé par la roue du moulin. Okay. Alors, courroie de transmission, écrou, papillon, boule violette, chaîne, chaussure, jet d'eau, bateau, nœud, huile, fleurs, gants et scie. Qu'est-ce que c'est un écrou papillon? Chaîne, gants. Est-ce que t'es géré? C'est quoi, c'est une fronde? J'en fais quoi de ça? Oh, il y a plein d'objets à récupérer pour les mettre de part. C'est inutile sans forêt. Oh là là, mais il faut tout faire. Ah, le forêt. Non. Qu'est-ce que c'est que cette coquille? Qu'est-ce que j'en fais? Oh. Attends, là il y a un pot de peinture, c'est sûrement pour ça. Non? Là. Mais non, mais t'es sérieux? Ah, ok. Pourquoi je dois peindre un truc? Ah, boule violette, elle est où la bouboule? T'es où ma petite boule? Quelqu'un voit une bouboule? Bon, ok, pour l'instant non. Fleur, ok. Ah, ah le forêt. Le truc fixe la corde au mur. D'accord. Notre chaîne. Belle pièce de menuiserie, dommage qu'elle soit cassée. J'en fais quoi de ça? Et ça, j'en fais quoi de ça? Ah, ok. Oh la vache. Boule violette. Ouh! Ça marche! Alors ensuite, courroie de transmission, c'est pas ça une courroie? Ah, c'est ça un écrou papillon. Chaussure, huile, l'huile elle est là. Chaussure, courroie de transmission et chaîne. Chaussure. Il me reste la chaîne et la courroie de transmission. Ah non, il y a le bateau le nœud! Ça fait rien. Qu'est-ce que je casse? Nœud. Oh putain la vache. Alors il me reste une chaîne et une courroie de transmission du coup. Mais qu'est-ce que j'en fais avec ça bien sûr? Ah la chaîne elle est là. Il manque une voile. C'est le bateau. Une voile. C'est la voile?
Ah ouais, rudimentaire le bateau. Et la courroie de transmission qui est... T'es où, salope? D'accord, j'ai même pas vu ce que j'ai cliqué. Putain, je me suis ré-enrhumé, c'est un truc de fou. Je n'ai pas touché le moulin pendant qu'il tourne, ok. Étrange, on dirait qu'il n'y a aucun motif n'est fixe sur la pierre. Elles sont trop chaudes pour regarder de plus près. J'ai besoin de plus de caisses. J'ai besoin de plus de caisses. Mais... Ah. Ah ça. Donc j'ai trouvé une serrure. Et une caisse. Voilà. Il faut quelque chose de fin pour enlever la première pierre. Merde, j'ai rien de fin. Ah, je peux mettre la courroie, non? Non, je peux faire quoi avec ça? Ah, voilà. Il me faut quoi? Il me manque une boucle à la courroie. Elle est là. C'est pas une boucle, ça? Oh, t'es sérieux? Ah oh putain, il y a quelque chose là. Un burin. Et je peux ouvrir la fenêtre. Le burin, je vais pouvoir utiliser ça, je pense. Ouais. Il y a quoi dedans pour que ça soit aussi lourd? Déplacer les visages pour qu'ils correspondent à l'image. Ok. Ah, c'est un tigre, ok. Donc lui, il est bien placé. Enfin, je crois. Alors, attends. Lui, il a une espèce d'épée. Ah oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De logique. Là, il y a une espèce de cerceau, ça doit être lui. Là, il y a une espèce de triangle. Là, c'est elle. Là, c'est un espèce de bouquin qui est au-dessus de sa tête. Lui, c'est son bras qui est au-dessus. Je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. Là. Ok. Lui, c'est des nuages. Ok. Là, on a la fin de... La lune. Mais il y a personne. Si. Là, c'est très orange, mais c'est pas lui. C'est peut-être elle. Ouais. Donc, du coup, là, c'est pas ça. Ça, ça doit être là. Ouais. Et ça et ça. Non. Ouais, ça et ça, alors. Ouais. C'est vraiment amusant, ce truc-là. Je connais la forme de cette indentation. Les flammes sacrées protègent le peuple, enrichit et rend espoir, repousse les ténèbres et guide vigilante et éternelle. Ils sont trop rigoureux, curieux et motivés. Cette expédition est dangereuse, ils vont finir par se rendre compte. Je ne peux pas le laisser faire. Un nouveau a rejoint l'expédition. Il doit être le professeur. Il dit être professeur et spécialiste des langues mortes. Quelque chose ne me revient pas chez lui, mais je ne saurais dire quoi. J'ai repéré une silhouette traînée à l'extérieur du monastère hier soir. C'était comme une ombre. Se fondant dans l'ombre, ne laissant aucune trace, je dois me rapprocher du pic dont je pourrais mieux le voir. Je veux te rendre fier. Céline et Pau. C'est Céline Dion. Ah, une boucle de ceinture. Parfait. C'est tout ce que j'avais à prendre?
une autre bille. Ah, je vais pouvoir faire un roulement. Ah oui, il me manque beaucoup de billes en fait. Ah, ok. Ah. Comment je la rattrape celle-là? Elle est tout au fond. Pass me the belt through the window. I'll take it from here. Ok. Mais non, je voulais pas sortir. Ah tu la vois la courroie la vache. Ah oui c'est ça, il me faut le roulement à billes. Ouais. La poignée pour le saut. Et je vais peut-être pouvoir ramasser la bille du coup. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas convaincu. Ça me paraît trop grossier. Le saut est vide, ouais, c'est bien. Pour faire déborder, mais qu'est-ce que c'est intelligent parce qu'elle est sur une feuille. C'est intelligent, elles sont vraiment pertinentes dans les. Dans les énigmes. Ah, et en plus je dois négocier un labyrinthe. C'est génial. Et j'ai un nouveau roulement à billes que je vais pouvoir remplacer sur le moulin. Bon, du coup, je vais devoir... Qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord, et là ça reste. Ah, merde, je pouvais faire autre chose, on dirait. Ah, faut refaire le dessin. Attends, je peux prendre la première planche? Ah oui. Alors, qu'est-ce qui ressemble à le haut? Ça ressemble à le haut. Comme ça je vais pouvoir vider l'eau et comme ça je vais pouvoir retirer tout ce qui bloque là-haut. Il y a un vélo quoi, non mais t'es sérieux. Comment je fais pour dégager le vélo? Et ça je fais comment pour dégager? Utiliser quelque chose pour Attends, il y a un marteau là. Oh, t'es sérieux? Oh, t'es sérieux? Oh, t'es sérieux? Ah. Mais non. C'est moi ça. C'est quoi ça? Un fer à repasser? Une pierre foreuse, mais sans foreuse, je vais pas... Voilà. Ok. Ah oh, mais sans foreuse, je vais pas aller loin. Ah le marteau il est où? Du coup je fais comment pour le vélo? Putain la vache. Voilà.
Quelle ingénierie. Tu as fini ce concile, j'aimerais bien te voir le stream. Oui, je l'ai fini le stream, mais tu peux toujours voir la rediff. Hein. La rediff est dispo sur Twitch, hein, tout simplement. Une grosse claque, vraiment une grosse claque. Je te le conseille vraiment. En fait, je te conseille plutôt de regarder un petit extrait et si ça te plaît d'aller te le prendre parce que franchement, il vaut le détour et ça serait bête de te spoiler. We need to go. Je l'ai mis dans mon slip. Elle a pas peur, ça va, c'est cool, c'est nickel, y'a pas de soucis. C'est pas très ISO 9000. Hein. T'as mon nez, comment il serait bouché à cet endroit, je suis tellement sensible des naseaux. This is it. I wonder how did you get up there before? Yeah, there was a scaffolding on that wall. Strange. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On dirait que la plupart des divisions ont été montées. Des provisions, des divisions. Le mec s'est cru dans FIFA. This is where we split up. Hey, thanks for your help and good luck. Ah, tu veux pas m'aider jusqu'au bout? Damn it! The weather's getting worse. There's no chance to reach the camp before the blizzard. I'm afraid we'll have to take shelter in the monastery and wait it out. Ah, tu restes avec moi. Let's see if we can find something to climb that wall. Quelque chose est enseveli sous ce monticule, mais la neige est gelée. Je n'ai pas à la creuser à main nue. Des piquets. Je peux faire quelque chose avec le drapeau. Ok, le mot de neige il est. Ok. Ok, je peux rien faire. Nothing useful yet. Alors on va revenir en arrière. Pauvre enfant, j'espère que Britney s'occupe d'elle. Mais oui, t'inquiète pas. J'ai rien d'autre. Ok. Il y a un truc que j'ai raté là. Ah, ils sont cachés les collectibles, la vache. Mais non, il y a autre chose. Oh putain, mais je le voyais pas dans... C'est quoi, c'est un spray dégivrant? Ah non, c'est un spray à cheveux. Qu'est-ce que j'en fais? On lance flamme? Ah, une radio? Un téléphone? Il marche! Elle appelle l'ambassadeur. Mais tape avec ton pied ou j'en sais rien. Avec l'appel, tiens. Non, oh, t'es sérieux? Je suis pas convaincu. Moi, je l'aurais tapé avec la pelle. Verrouillé, c'est probablement tombé de l'auto-neige. La clé est certainement encore dans la cabine. Je suis pas allé ici. Ça va quoi? Mais j'avais pas une pelle? Du spray à cheveux pour ici, mais pourquoi? Ah! Ah voilà, lance-flamme! Ça va me servir de marteau? Merde!
creuser. Merde. Trois chiffres. Savoir lesquels ont été pressés réduira grandement le nombre de combinaisons possibles. Je veux savoir. Ah, peut-être sur le téléphone qui est dehors du coup. Non, on voit pas. Tu connaîtrais pas le code. I'm afraid there's nothing left we can use. Ah, épingle à cheveux, attends. C'est quoi j'ai pris? Un talc ou un truc comme ça là? Poudrier. Oh là là, c'est intelligent. 4 de 9. Non. 2, 4, 9. He's a cake. L'inscription sur le portail est incomplète, mais elle mentionne une ancienne entité enterrée au cœur de la montagne. Envoyez-la à l'université pour analyse. Peut-être devons-nous le lire. Littéralement. Peut-être le secret n'est-il pas caché dans la peinture, mais la peinture elle-même cache le secret. Peut-être le professeur a-t-il raison. Peut-être devrions-nous abattre ce mur. Il y a beaucoup trop de questions. C'est quoi ce lama là? Ah merde, il a appelé le super harpy. Stay away from the edge, Fong. Stay away from the edge, Fong. Help me. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? It'll rip me apart. Hurry. Ouais, je fais de mon mieux. Ouais, si c'était. C'est exactement le moment de regarder mes preuves, c'est magnifique. Alors. Comment? Ouais, c'est ça. Non, ça ne marche pas encore. Ok. Ok. Il y a des légendes sur une ancienne battle entre light et darkness qui a eu lieu ici. Une autre légende mentionne la tombe d'un puissant evil being qui a été slain. Je crois que c'est le mec qui est juste en face en train de déchiffrer ta copine. Il y a une raison que le preacher came here. He's looking for Asmodai's grave. Et lui, j'en fais quoi là? Pour l'instant, rien. Ah bah oui. Un bouffe-soi. On l'a fait. Ah, il s'est barré. I hope that thing's taken care of. Just wait. I'll pull you up. No, get the girl to the monastery. I'll find another way around and meet you there. Bah oui, c'est par en nounou. C'est beaucoup mieux. Oh, cette animation de marche. Wouh. Hey kid, are you all right? Mais qui c'est là? Wake up, Fong. Don't do this to me, kid. Not good. She's burning hot. I can't leave. Ok, je fais quoi maintenant? Parce que je sais toujours pas comment. Bon, c'est déjà ça, tu me diras. Si on roule autour des rochers plus bas, je ne peux pas l'atteindre. Avec ça, tu peux l'atteindre. Ok, j'ai de la corde. Les pitons, je peux les récupérer. Qu'est-ce que c'est? Oh, le bug. Ouais, c'est un bug. Ok. Balance-la dans le ravin, mais non. Thank you.
Trouvez les prises. Waouh. Hein? Ah d'accord. Oh, c'est amusant. Ah oui, c'est marrant. Ah, c'est excellent. Might work. Oh, la vache. Tu m'étonnes que ça a l'air plus simple. D'en bas. Ouais. Pierre comme ça. Ah là. Là. T'as la vache. Ça c'est de l'escalade. Ah bah dis donc. Almost there. Il nous le scratch là, je le vois pas. Ok. Je suis toujours pas là. Ah là j'y suis. Non, toujours pas. Ah là j'y suis. Oh bah heureusement que t'es là toi. Comment t'as fait pour arriver là? Rick, I can't believe you made it. Oh, I thought that thing got you. It takes more than an overgrown chicken to take me down. No kidding. Listen, there's a little girl down there. I have to bring her here. Another one? It's a long story. Tell me later. Let me go get her, okay? I'll close this place up before this blizzard hits. And I'll make her a soft bed to warm up in. Okay. Trop lourd. Rick pourra sûrement m'aider quand il intervient. Oh. Oh, c'est bien. On est bien une héroïne, par contre. C'est bien. C'est un bon côté réaliste de ce côté-là. It's chilling me to the bone. I'd better shut this gate tight. Il y a une paire de skis. Ah bah il est arrivé en ski. Ok. N'oublie pas, parle-toi de Céline, l'ermite du monastère, il a l'air de savoir beaucoup de choses dessus. Jim maintient les portes de la chambre ouvertes. Ses manivelles sont rouillées et pourraient s'enrayer à tout moment. Je ne veux pas retrouver coincé à l'intérieur. C'est quoi ça? Un chauffage? Je tuerai pour un monter chaud. Sens de l'orientation du GPS. Pas de boussole ou de GPS sous la main. Pas d'inquiétude, voici quelques vieux trucs pour vous aider. La mousse. Cherchez de la mousse sur les arbres de pierre, elle pousse toujours au nord. Les tournesols. Ces belles fleurs font toujours face au sud. Les étoiles. Si le ciel est dégagé, cherchez l'étoile polaire au nord ou la croix du sud. Boussole maison. Placez une aiguille métallique ou autre objet métallique sur un flotteur, feuille, écorce, etc. L'aiguille pointera vers le sud. D'autres choses pouvant vous aider à vous orienter. Fourmilière, arbre isolé, ombre. Ok. Il a pris l'ascenseur. Ok. Il y a une porte derrière, on dirait. D'accord. Les skis. Ouais, je suis trop intello. Je peux utiliser le peigne.
j'en ai des trucs là, j'ai une clé, il y avait un truc je crois avec une ouverture de clé, non? Ah, je peux ouvrir la porte?